Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impec, je suis quand même fatigué à cause des fêtes, Noël, tout ça. Déjà ils pètent des câbles, excusez-moi. Et je voulais vous parler aujourd'hui un peu du stage, de mon stage d'école accélérée. Donc je vais peut-être avoir un peu de mal à parler parce que il fait quand même assez froid malgré le soleil et que je suis vraiment en retard, vraiment en retard. Je crois que je suis jamais parti aussi tard du travail, donc je dois vraiment me speeder. Donc je vais essayer d'être prudent mais de vous parler quand même. Donc je vous ai déjà parlé un peu du code et de pourquoi j'avais fait un stage en accéléré tout simplement. Donc là je vais rentrer un peu plus en détail, je vais vous détailler un peu ce qu'on a fait, les étapes. C'est un petit peu lointain, ça fait quand même 3 mois, donc j'ai une très mauvaise mémoire, hein, c'est un peu une catastrophe. Donc je vais essayer de me rappeler au maximum et vous donner le maximum de détails et d'informations que j'ai en mémoire tout simplement, que je me rappelle. Mais voilà, il y aura peut-être des choses un peu fausses ou qui ne sont pas passées exactement comme je raconte. Faut savoir déjà que suivant où vous êtes, les stages en accéléré ne se passent pas pareil. Et que suivant quel mois ou quelle partie de l'année vous l'avez passé, les stages ne se passent pas de manière équivalente. Parce que vous avez bien souvent certaines auto-écoles qui ont un format de code différent suivant la disponibilité des moniteurs et leur choix tout simplement et la fréquence aussi de ces stages. La plupart des stages s'effectuent entre 4 et 5 jours, enfin sur 4 ou 5 jours. Ils s'effectuent, oula, tilt back. Ils s'effectuent donc en journée. Pour beaucoup d'auto-écoles, c'est une fois par mois, parfois 2 fois par mois dans les périodes où il y a beaucoup de monde. Ces stages sont réservés à l'avance. Faut pas s'y prendre au dernier moment, mais c'est rare que toutes les sessions soient complètes, d'accord? Donc après, ça dépend s'il y a beaucoup d'auto-écoles proches de chez vous ou autre, mais voilà, faut s'y prendre moi 15 jours avant, une semaine avant, j'avais encore de la place. Et quand je me suis inscrit, enfin, on n'était pas au complet au final, donc même 2-3 jours, enfin une semaine avant, faut au moins une semaine avant. Comptez, voilà, essayez de prévoir 15 jours avant quand même vos disponibilités. Donc c'est un stage, moi, qui s'est effectué sur 4 jours. En format 5 heures par jour. Donc en gros voilà, faut savoir que c'est le format de code accéléré. Il n'y a pas le passage du code bien sûr, c'est juste la formation au code. C'est 20 heures. Voilà. En 20 heures avec le moniteur, je crois que vous êtes en capacité de passer le code derrière. Alors je dis bien en capacité et je dis bien normalement. Pourquoi? Parce que il va falloir, si vous arrivez, que vous avez jamais lu votre bouquin de code, vous débarquez là-dedans, ça va être un peu compliqué. Donc, pour qui est un peu réservé ce format? Il est réservé pour, on va dire, 2-3 types de personnes. C'est vraiment pas fait pour tout le monde. Hein. Faut pas vous dire, je fais ce format-là et après, je fais 4 jours. La semaine d'après, je passe mon code et je laisse mon code. Non, faut vraiment se rendre de deux choses, rendre compte de deux choses. Alors, c'est fait pour les élèves qui sont inscrits depuis un certain moment, qui trouvent pas le temps d'y aller parce qu'ils travaillent, parce que les cours, parce que flemme, parce que trop compliqué avec les transports. Donc c'est fait pour les gens qui galèrent un peu, qui n'ont pas de facilité pour aller au code, soit en tant que capacité physique, trop fatigué, morale, trop démotivé ou autre, voilà. Donc c'est fait pour ce type de personnes qui sont déjà inscrites depuis un petit moment, qui ont déjà fait quelques séances par-ci par-là et qui, voilà, ils sont pas nuls mais ils sont pas non plus bons quoi. Ils font une douzaine, 15, 12, 13 fautes, voilà, et 10 fautes, enfin là ils sont. Voilà, ils savent un peu c'est quoi le code, ils ont déjà lu quelques pages de bouquins, mais ils s'en sortent pas. Voilà. Donc c'est fait pour déjà ce groupe de personnes. Moi c'est ce que je fais, j'en faisais partie, manquer de temps et voilà, je vous parlerai de mon expérience un peu plus tard. Ça va être fait aussi pour les personnes qui n'ont pas le temps parce qu'ils travaillent, mais aussi en fait pour les personnes qui, comment dire, qui n'aiment pas prendre bêtement un bouquin ou alors qui n'arrivent pas à comprendre. Juste avec un bouquin, je donne un exemple, je sais pas si vous êtes en études par exemple, si quand on vous donne un exo de maths, vous comprenez rien et que le prof vous l'explique et que 2 secondes après vous comprenez tout, c'est typiquement ce genre de personnes qui vont avoir du mal à apprendre le code. En fait, toutes les personnes qui, par exemple moi j'avais ces lacunes-là en cours d'histoire, et l'histoire c'est des dates par cœur, des textes par cœur, des définitions par cœur, et ben j'étais nul parce que justement j'étais incapable de retenir quelque chose par cœur. Alors j'étais capable de le comprendre, de le réexpliquer avec mes mots à ma façon, mais j'étais incapable de faire du mot à mot, comme en SVT on demande parfois, par exemple dans certaines définitions, ou comme en histoire on demande la date exacte et pas à peu près, etc. Ou le jour, le mois. Ça, j'étais incapable de retenir ce genre de choses. Donc ça va être fait pour toutes les personnes qui ont du mal à être studieuses, qui ont du mal à apprendre bêtement, mais qui arrivent à
à s'investir dans une tâche, qui vont réussir à s'investir dans le code, mais rapidement, c'est-à-dire se bourrer le crâne, d'accepter de pendant 15 jours, 3 semaines, maximum un mois, c'est parce que ça j'ai accéléré, c'est pour aller vite quand même, donc en un mois, vous allez accepter de vous bourrer vraiment le crâne avec. Alors moi, j'étais pas ce genre-là, je voulais pas me bourrer le crâne avec, j'ai du mal à faire ça, mais j'étais coincé parce que tout simplement, ça faisait un an que j'étais inscrit, que je commençais à en avoir marre et je voulais le passer. Donc moi, c'était un peu, je suis un cas vraiment, enfin, je suis pas un cas particulier parce qu'on est pas mal dans ce cas-là, mais je suis un cas, disons, où j'ai un peu pris des mauvaises décisions un peu trop rapidement et je me suis retrouvé coincé, on va dire. Donc voilà, maintenant que vous savez qui un peu peut passer le stage accéléré, vous avez un peu le profil. Après, rien ne vous empêche, hein, vous pouvez être très studieux et vouloir le passer rapidement. Voilà, après, il faut bien se rendre compte que le permis, c'est utile dans la vie. Mais si vous savez ce que vous voulez faire plus tard, par exemple, si vous savez que vous voulez aller dans une école qui est dans votre ville, pendant 2, 3, 4 ans, vous n'avez peut-être pas besoin du permis tout de suite. Donc prenez une formule standard, une formule pas chère, et prenez le temps de passer les choses, prenez le temps de le faire, voilà, vous pressez pas trop et voilà, allez-y tranquillement. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui sait qu'il va beaucoup bouger pour ses études ou parce qu'il a trouvé un métier et que c'est pas forcément à côté de chez lui, là il va falloir peut-être envisager des formules en accéléré, voire en accéléré total, c'est-à-dire passage du code, passage du heure de conduite, permis, enfin tout ça en même temps. Ça, je pourrais peut-être vous en parler un petit peu, mais il faut que je m'en sais un peu plus, j'y connais pas grand-chose, mais je vous ferai un petit briefing pour certains si ça peut toujours intéresser. Donc là, le stage en accéléré, ça se passe donc moi pour moi sur 4 jours, donc du vendredi, du mardi au vendredi, donc de 8h à 13h. Comment se passe le premier jour? Donc vous avez rendez-vous, vous y allez, vous attendez que tout le monde arrive, etc. Vous faites des présentations. Voilà, la première heure, elle est faite un peu pour se découvrir, pour se rencontrer, pour discuter un peu de notre passé, de pourquoi on a essayé de faire un stage accéléré. Si vous avez déjà des lacunes, bah les donner au moniteur. Voilà, faut bien comprendre que tous ceux qui sont là, ils sont tous dans le même cas que vous, ils l'ont pas, ils en ont besoin. Donc personne ne va se moquer. Voilà, nous on avait un dans ma promo, il y en avait un, ça faisait je crois 5, 6 ans, peut-être 7 ans qu'il était inscrit. Voilà, il y en avait, ça faisait 2 mois qu'ils s'inscrivaient au code. Juste en fait, ils sont aperçus qu'en passage au standard, ils n'y arrivaient pas. Ça les saoulait, donc voilà. Il y en a un qui a voulu juste donner un coup de pouce. Il y en a un qui a raté son code et qui avait peur de le rater, qui a préféré faire un stage en accéléré. Enfin voilà, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs décisions liées à cette envie de passer le code. Et peu importe pourquoi vous êtes là, soit pour un repassage, pour le passer plus vite, parce que vous n'avez pas le choix, parce que vous n'avez pas le temps, bah, il faut vraiment être honnête avec les autres, honnête avec le moniteur, parce que même des personnes de votre promo peuvent vous aider. Voilà, quand vous ne comprenez pas un truc, c'est rarement le prof qui va vous expliquer en fait. Il va déjà voir si quelqu'un a compris. Si la personne a compris, elle va vous l'expliquer pour qu'elle-même elle soit sûre de ce qu'elle dit. Et voilà, et ça permet d'acquérir rapidement des connaissances, parce que des fois, quand vous ne comprenez pas quelque chose, ça va être un autre élève qui va vous l'expliquer, puis un autre, et il n'y a pas que l'avis du prof en fait. Les profs, ils valident juste si ce qu'ils ont dit était bon ou faux, et ils finissent à la fin pour vous dire la dernière version finale, un peu le top du top de la réponse. Mais voilà, il va dire ça c'est une bonne réponse, ça c'est potable, ça c'est nul, ça c'est machin. Et ça va vraiment vous aider, c'est que vous avez plusieurs avis et plusieurs manières d'apprendre, vu que on va avoir plusieurs formulations par plusieurs élèves. Donc voilà, donc la première journée, ça va vraiment être ça, un peu voir où sont les lacunes, où sont les problèmes, et vous allez commencer. Après, ça dépend des moniteurs. Certains commencent d'abord par les types de routes, d'autres commencent par la signalisation, etc. Donc ça dépend. Moi, j'avais fait, je crois, oui, un peu les types de routes. Premier jour, deuxième jour, on avait plus travaillé tout ce qui était signalisation, panneaux, etc. Troisième jour, un peu un mash-up de tout ça avec tout ce qui était feu et dans quel cas on mettait feu de brouillard, feu avant, etc. Puis dernier jour, un gros bilan de tout ça, les petits détails, etc. Et deuxième jour, on avait fait aussi le passage, tous les passages. Donc dans quel cas on est prioritaire, etc. En même temps, on avait commencé le premier jour, on avait terminé le deuxième jour avec les panneaux. Tout simplement. C'est des choses qui sont à. En fait, c'est bien parce que vous vous apprenez en même temps et au fur et à mesure, ils testent vos connaissances. En fait, c'est pas genre comme le bouquin où vous pouvez pas tout tester, où faut se connecter, faut machin. Là, vous avez un moniteur qui vous explique, qui vous détaille. Vous faites des séances de code en fait sur le thème. C'est-à-dire, si vous venez de bosser sur les feux, vous allez faire une séance de 20 questions que sur les feux. Et il va corriger à l'oral, et chaque tour va donner une réponse, même si c'est faux, machin, corriger, etc. Et on s'entraide vraiment, et c'est vraiment ce qui était intéressant, c'est que c'est pas le moniteur qui t'explique à toi tout seul, c'est voilà, vous êtes une petite dizaine, tous dans le même panier, tous dans la même galère, et ceux qui ont compris expliquent à ceux qui n'ont pas compris. Et voilà, et puis il y a la question d'après, ça se trouve que ce serait à vous qui allez apprendre quelque chose au gars d'à côté, parce que c'est rare que tout le monde soit bloqué sur le même point. Après, effectivement, nous on avait des points où, par exemple, les feux de route en ville, personne ne savait qu'on pouvait les mettre, personne n'avait compris ça. Donc on s'est fait pas mal
engueulé entre guillemets bien sûr, mais en gros on s'est fait vraiment bourrer le crâne à oui on a le droit, oui on a le droit machin, et on a vraiment passé, insisté là-dessus pendant toute une journée, de temps en temps, hop, et on reparlait de ça, et petite question piège, voilà, parce qu'on avait une lacune là-dessus. Et c'est ce qui est intéressant, quand vous êtes en salle, vous faites des séances avec un peu de tout, et des fois, voilà, vous pouvez très bien, à chaque fois tomber sur des séances où vous connaissez tout, et que le jour du passage du permis, vous tombez que sur des, le passage du code, vous tombez que sur des questions que vous ne connaissez pas. Là, justement, ça ne peut pas se produire, parce que vous avez un moniteur qui va vous varier, qui va vous faire des séances spécialisées suivant vos lacunes, en fait. Et suivant ce que vous souhaitez travailler ou ne pas travailler. Ne pas travailler, c'est-à-dire si jamais c'est déjà acquis, que vous savez que vous n'avez pas besoin d'en travailler plus, il va vous dire bon ok, mais si jamais vous avez besoin, je sais pas, de travailler par exemple les feux, bah même si vous voulez pas, il va vous les faire travailler parce que vous en avez besoin tout simplement. Donc c'est le gros avantage, c'est que il va cibler suivant vos besoins la séance en fait, et votre évolution. Et il va vous pouvoir vous dire à la fin si qui est en capacité de quasiment tout de suite le passer en bossant un petit peu et qui n'est pas en capacité, qui vaut mieux qu'il attende naturellement de le passer. C'est juste un accord verbal, c'est juste pour vous informer de lui ce qu'il en pense. Après, il faut savoir que donc quand vous avez fait vos 5 heures, vous rentrez chez vous et l'après-midi, vous êtes libre et vous, enfin, il est mieux bien sûr d'aller en fait l'après-midi à faire des séances de code tout simplement pour s'entraîner. Bon, moi je suis arrivé, je vais vous laisser ici, je vous ai fait un petit peu le point là-dessus, le petit bilan là-dessus. Je vous dis à la prochaine, allez, ciao, bye bye.